Hello tout le monde. Je viens de finir de peinturer mon petit trailer pour mon half-track. J'ai fait des éridals dessus. Les éridals sont en bois naturellement, puis le fond aussi, là. Fait que ce que j'ai fait dans le fond depuis la dernière fois, c'est que j'ai fait au lieu de faire passer mon petit Excel en dedans de mon tube carré, j'ai fait nos deux petits tubes de chaque bord que j'ai soudé. Pour leur monter un petit peu. Je trouvais que c'était un petit peu bas, ça fait que j'ai fait une petite extension à mon essieu là, pour faire passer mon sub dans le fond là, un peu plus. Que ça soit un peu plus haut. J'ai peinturé le dessous aussi là. Et là, je me suis mis quatre petits poteaux comme ça, pour faire mes éridales. Puis. Enfin, il va avoir juste un essieu dessus. Puis, dans le fond, je voulais aujourd'hui juste donner un petit compte rendu de ce que j'en étais dans le fond avec mon projet de 6x4 là. Dans le fond, c'est pas mort ce projet-là, c'est juste que je l'ai mis de côté pour faire mon half-track là. Dans le fond, ça c'est l'attention que je vais prendre pour faire ça avec mon moteur. Fait que là, j'ai mis ça sur la table là, pour essayer de figurer là, comment je vais monter ça là. Je peux pas monter mon moteur directement en face de la transition parce que c'est trop large. Puis, dans le fond, mon moteur il est trop gros aussi, ça fait que ça me laisse pas là, assez de place là, pour que je puisse passer avec avec mon drive shaft là. Donc, je vais probablement mettre une plaque ici avec une poulie. Puis, je pense bien qu'il va y avoir probablement un shaft comme ça là, pour. Va traverser de l'autre bord. Puis, je pense bien que ce que je vais faire, ça fait longtemps que je pense à comment je vais faire ma suspension pour ça, là. Fait que je pense bien que dans le fond, il va y avoir un frame solide au complet ici. Qui va être faite avec des 2x2 là. Des pièces de métal de 2x2. Puis à ce niveau-là, ben, je vais avoir mon drive shaft qui va venir avec un pignon ici. La première roue va être ici. Ça va être dans le fond là, entraîné par chaîne. Puis la deuxième roue là, va être un peu plus éloignée là, à peu près ici là. Puis probablement que le moteur va être probablement le siège va être comme peut-être pas très loin en tout cas du moteur là. Ça ici c'est les chocs que j'avais commandé là, pour ce but-là. Ça fait pour vous dire une idée, ça fait presque 2 ans que j'ai les là qui dorment là. Mais c'est vraiment les chocs que j'avais commandé pour faire ça. J'espère qu'ils vont être assez raides. Ils ont l'air quand même pas si pire. Donc, mais c'est sûr que là, j'ai pas tout à fait fini mon half-track. Il me manque encore quelques détails à régler là, avec mon half-track. Mais aussi, je vais avoir fini ça. Là, je vais mettre ça de côté parce que là, il. Comme vous pouvez le voir, ben, il prend pas mal de place ça, dans le garage. J'ai peinturé mon petit siège. Je me suis fait un petit siège pour le half-track. Donc, c'est ces deux pièces-là, dans le fond, là, qui va être le siège, là. Puis, j'en viens à mon trailer, ben, j'ai coupé un peu la pôle aussi, là, pour que ça soit trop long, là. Fait que c'est ça que ça donne. On va peut-être mettre
Comme une roue de spare là, ici, là. J'ai des roues en masse, j'ai des roues qui me restent ici, là. Fait que probablement mettre ça comme ça, là, pour ça. Juste pour le look. Donc, c'est pas mal là que j'en suis avec tout ça. Je vais vous dire une bonne journée, puis dans le fond, dans les prochaines semaines, là, peut-être être un petit bout là, sans faire de vidéo, mais je vais reprendre ça là, avec mon projet là, de 6, 4 par 6. Là. Dans le fond, ce que j'avais fait quand j'ai fait ma petite table ici, là, j'avais comme camouflé mon essieu d'avant, en avant. C'est là que je le cache, l'essieu de l'avant. Il est en dessous de ma table. Fait qu'éventuellement, je vais tout en sortir ça, puis je vais recommencer à travailler là-dessus. Ouais, ça va peut-être aller un peu plus pendant. C'est des projets que je garde normalement pour l'hiver, quand j'ai moins de choses à faire à l'extérieur. Je travaille là-dessus, dans le fond. Ça m'occupe pendant l'hiver. Je vous souhaite à tous une bonne journée, puis à bientôt.